Alors, si tu veux qu'on parle de la région Vianney, la première chose, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Lourdes. Hein, Lourdes, cité mariale, hein, les apparitions, que l'on soit croyant ou pas, c'est à voir. Hein. Que ce soit le sanctuaire ou les marchands du temple, c'est quand même une très jolie ville. Ensuite, site naturel, je te conseillerais l'incontournable cirque de Gavarnie, hein, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien qu'il y ait à côté d'autres cirques tout aussi jolis, mais bien moins connus, tels que le cirque d'Estobé. Site naturel encore, le pic du Midi. Hein. Alors souvent, on croit que c'est le plus haut sommet des Pyrénées. Non, non, 2800 mètres uniquement, mais c'est un observatoire extraordinaire. On peut d'ailleurs y passer la nuit, ou y dîner, ou y déjeuner. C'est un endroit extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir? La ville de Pau. La ville de Pau, ville natale du roi Henri IV, son château. Et puis, ces fameuses caves de Jurançon. Et enfin, la randonnée, activité phare de notre village de vacances. On conseille toujours le lac de Gobe, magnifique, dont Victor Hugo a vanté les mérites, mais également la Fruitière, hein, très, très bel endroit, qui sont accessibles au plus grand nombre et d'une beauté incomparable.